C'était il y a 10 ans. La rentrée scolaire à Beslan promettait d'être un jour de fête. Ce fut le pire des cauchemars. 10 ans après, les cérémonies vont se succéder dans cette école martyre d'Ossétie du Nord. La prise d'otages menée par les terroristes avait fait plus de 330 morts, dont 186 enfants. Rien n'a changé, dit cette femme. La corruption, le copinage sont florissants comme avant. Personne n'a été puni pour la gestion de la crise. Et tout cela nous fait beaucoup souffrir parce qu'on n'est pas plus protégé qu'avant. Pendant 3 jours, plus de 1100 parents et enfants seront pris en otage par des Tchétchènes lourdement armés. Plusieurs otages masculins sont tués et tous sont privés d'eau pendant tout le siège. Le 3 septembre, soudain, des explosions font un bain de sang alors que les forces russes attaquent. Une intervention violente, rapidement mise en cause par les survivants.